Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog à Paris. Donc je suis avec ma petite Sarah et aujourd'hui c'est visite d'appartement manquée. Malheureusement, ma visite a été annulée, ça n'arrive qu'à moi, n'est-ce pas? Mais bon, là on a essayé de faire au mieux qu'on pouvait pour pas perdre la journée. Wouh, c'est super beau, il fait super beau et on va rejoindre ma sœur. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vue dans les vlogs, hein, je sais. Voilà mon autre sœur. Coucou. Hello Biana. Chin. Cheers. I'm begging you. I'm begging you. Ah, il veut trop passer dans mon vlog, lui. Salut, Rit. Vraiment, hein, t'es grave capricieuse, meuf. Avec ses sushis au bord de la Seine, là. Elle est trop mignonne. Mais non, Obi, on sait que tu voulais des sushis depuis longtemps. Je rigole. Ça va, Obi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu sais. Ouais, je sais. Je suis jamais dans tes vlogs. Bah là, maintenant, t'es dans mon vlog. Si t'as un truc à dire, à faire passer, hype Mada ou je sais pas quoi. Non, je rigole. On a la hype ou on l'a pas. On rigole, je veux. Donc là, je suis avec les deux fondateurs de Hype Mada. Hein. Excusez-nous, hein. On adore l'ambiance. Bienvenue dans le vlog. Et le brownie, allez, allez. Et le brownie, allez, allez. Oh, il y a quelqu'un qui fait du kayak. Coucou. Pardon, il y a quelqu'un qui nage? Ah ouais. Ah, il n'y a pas encore le plat d'Obi. Premier repas asiatique depuis que je suis revenue en France. Hello. Bonjour, bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui en week-end avec Katia, la copine de mon beau-frère. Comment la sœur de... Comment l'appeler? Et Asm. Bonjour Asm. C'est le moment où t'es... Donc voilà, j'utilise un stabilisateur qui m'ont gentiment prêté. Regardez les behind the scenes de Ashima, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. MDR, la meuf, c'est trop cru. Est-ce qu'on en parle du funiculaire qui dure 5 minutes? On a attendu 30 minutes. Franchement, 30 minutes pour 5 minutes. Ok, je sais que je suis une grosse flemmarde, mais quand même, quand même. Waouh. Ok. Angle de double menton, ouais. Et en même temps de culture à côté, c'est magnifique. Yeah.
Sarah. Oui. Merci beaucoup pour cette journée. Ah bah écoute, hein, comme d'habitude, hein, elle est meilleure que la journée de la dernière fois. Ça, c'est un travail de mise en abîme. Un tableau dans un tableau. N'est-ce pas, Sarah ? Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de McDo et là, je suis là, j'ai succombé. On se demande à cause de qui ? Non, je rigole. Bon appétit ! Bon, j'ai pris McFirst parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. Hello, petit update. Ouais. On est au Champ de Mars. C'est la première fois que Sarah vient. Et pour moi, c'est la deuxième fois, mais je ne me souviens pas de cette partie-là en fait. Du coup, voilà. Eh, la tour est là. Viens un peu, Sarah. Regarde. Yeah. Voilà, voilà. Grosse journée de tourisme, mais bon, de toute façon, hein, on fait ça une seule fois, donc autant le faire, quoi. Nouvelle petite adresse pour moi, grâce à Katia et à Asne. Merci à vous. Donc on est au... Je cherche le nom du resto. Ah oui. Au Faux 13. La bêtise. Oui, en fait, il fait 30 degrés, mais... On mange des sous. Dans les moments d'attente, les moments de doute, les moments d'incertitude, je sais que je reviens vers vous. Dans les moments où je suis perdue, où je n'ai plus confiance en moi, où j'hésite à avancer, je sais que je reviens vers vous. Quand vient le désespoir, quand vient l'envie d'abandonner, quand arrivent les ondes négatives, vais-je trouver un appartement ? Est-ce que je tourne en rond ? Pourquoi se forcer ? Je sais que je reviens vers vous. Tu as hâte d'aller voir Londres ? Quand on pense qu'on n'y arrivera plus, quand on pense qu'on est seul, on sait qu'on peut revenir vers ceux qui sont vraiment là. Oui, parce qu'il faut le dire, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Je sais que je reviens vers vous, même si ça fait mal de se mettre à nu. Je sais que je reviens vers vous, même si c'est dur de partager ce que je ressens vraiment. Je sais que je reviens vers vous, parce que vous seul pouvez m'aider à me relever, à garder le sourire, à rire de nouveau aux petites choses de la vie, à profiter des instants précieux de ce monde. Au-delà des apparences, au-delà du paraître, au-delà des masques, au-delà de tout ce qu'on veut montrer, de tout ce qu'on veut faire croire, au-delà de tout ça, je sais que je reviens vraiment vers toi, parce que tu m'as redonné confiance et foi en moi pour ce nouveau départ. C'est bon ? Je t'aime pas. Ouais, c'est bon. Quoi, t'as dit quoi ? Tout est bon. Ok ! C'est la première fois que je suis à la Défense. Alors prenons un grand souffle. Prenons de bonnes résolutions. Remercions l'univers, parce qu'en fin de compte, nous avons de la chance. Bon appétit ! Merci ! Coucou tout le monde, ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas parlé. Donc, nous voici dans mon nouvel appart. Ça fait longtemps, la première fois que je vais rester là. Et voici un truc. Coucou ! Il fait genre, il rigole pas, mais en vrai, il a trop rigolé, parce que, comme vous pouvez le voir, dans une pièce, il n'y a absolument rien. Voilà ! Mais bon, je vais m'installer petit à petit. Et comme vous pouvez le voir, nous allons inaugurer la maison avec des tacos. Ouais. Donc, bonne soirée. So let's take a deep breath. C'est bon ? Ta petite tarte à la rhubarbe ? Ouais.
moi j'ai pris une tarte au chocolat. Tu m'énerves. Let's make some good resolutions. Let's thank the universe because at the end of the day, we are so lucky. Ah, faire petit séquence de moi, c'est 2h, tout dit. T'es sûr? Quoi? Ah, c'est cool. Ouais! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Il a l'air un peu choqué là. C'est nul, votre surprise, ouais. Mais quoi? C'est méchant, hein? Non, comment vous avez amené le truc? Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Merci. Alors, est-ce que c'est le meilleur cadeau de toute la Terre? Je sais pas. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Donc on est à Rock en Seine et comme vous allez le voir, un de Hassan vont faire quelque chose de ouf que nous deux nous n'avons pas osé faire du tout. Allez! Oh. Alors lui, sa réaction, c'était la même réaction que pour la surprise hier, je crois, là. Je te jure. Et voilà le deuxième. Allez. Ouais. Argentine, Sénégal, Italie, Réunionnais. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do.
gentlemen, this is the best crowd in the entire fucking world. This is Paris. Okay, hold on. Everybody from this line to the right, make some noise! I want you to say hello to your country. Say hello to everybody out there. Et là on se fait un petit McDo ensemble avec toutes ces affaires avant qu'elle rentre à Bordeaux. Voilà, en fait nous deux, c'est à dire qu'on se quitte et après on se revoit et on se quitte et on se ramène. Voilà. C'est ça. Bon, en vrai j'étais chez elle hier soir, mais enfin chez elle et Magali, mais Magali. Enfin chez Magali, mais j'ai pas beaucoup blogué parce que j'étais fatiguée. Voilà, voilà. Timide, trop mignonne. Oh mon dieu, ça me donne trop faim toutes les odeurs. Ouais, oh, ouais, d'accord. Petit brunch avec Bertie, trop mignonne. Encore merci beaucoup à tous mes amis, à toute ma famille, d'avoir été là. Et surtout à tous ceux qui sont dans ce vlog. Bonne rentrée et bon départ !